Bonsoir Mama et Robert, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Robert, notre village Background Moon, deuxième édition 2024. Donc là, nous allons partir pour notre fameux tour du village pour vous présenter tous nos partenaires ici présents qui sont engagés pour la bonne cause. Allez, suivez-nous. Nous allons bien sûr commencer par notre partenaire privilégié depuis la semaine dernière, donc France Alzheimer. Et ce soir, nous avons l'honneur de pouvoir discuter avec Madame Felio, ici présente. Mais bien sûr que la présidente est là, mais tout le monde sait que la présidente est toujours là, puisqu'elle est toujours engagée, n'est-ce pas, Madame Théophile? Exactement. Nous remercions vivement la commune du Robert, la municipalité, le CCAS, Madame Gégal ainsi que Madame Beauchin, ainsi que tous les participants. Merci pour l'accueil. Et puis, nous sommes toujours présents. Oui, ben exactement, la vie est belle. Tous concernés, tous mobilisés. Je laisse la parole à la secrétaire, Madame Felio. Merci beaucoup, quelle belle introduction. Alors, Madame Felio. Alors, bonsoir, Magali Felio, je suis la secrétaire de l'association France Alzheimer Martinique. France Alzheimer Martinique, nous sommes une association de bénévoles, mais nous faisons partie de l'ensemble des associations du réseau France Alzheimer. La devise de cette association, venir en aide aux familles pour le bien-être des malades. Et j'aimerais bien que tous vous reteniez que nous ne sommes pas un service à la personne et que nous ne sommes pas non plus une association de troisième âge. Nos missions, accueillir, écouter, informer, documenter et surtout former. Parce qu'on ne peut s'occuper de malades d'Alzheimer si on n'a pas une formation. Et nous mettons à la disposition des familles, parce que l'adhésion n'est pas obligatoire, une formation de 14 heures. Au cours de cette formation, il y a des modules, et un module très important, nous faisons tout pour que les familles comprennent les modes d'action de cette maladie et son impact sur le cerveau, afin qu'ils comprennent que c'est une maladie et que c'est pas un vieux madame qui a dépalé et qui a emmerdé nous. Alors, à l'intention des familles... Viridio, ça, s'il te plaît. Voilà. Alors, à l'intention des familles, quand le diagnostic vous est tombé, il paraît que c'est une douche froide. Donc, nous avons un siège, un accueil physique, et le siège de l'association, nous sommes au Lamentin, à Basse-Gondo. Alors, un repère incontournable, dès que vous avez trouvé la pharmacie Lafayette, l'association France Alzheimer me suit. Donc, un agent sur place. Et alors, le premier contact vise à informer la famille des droits et des devoirs. On met tout en place pour que la prise en charge de la personne impactée soit faite. Je parle de la prise en charge administrative. On vous donne toutes les infos qu'il faut. Et une fois qu'on est sûr que les droits du malade est respecté, nous revenons vers vous. Parce que dans une famille, il y a quelqu'un qui va prendre en charge cette famille qu'on appelle l'aidant. Et les scientifiques ont montré que s'il n'est pas aidé, s'il n'est pas entouré, donc il va s'en aller avant l'autre. Et notre mission, c'est de tout faire pour éviter qu'il ne meure d'épuisement et d'isolement. Très bien, Madame Felio, merci beaucoup. Alors là, franchement, cet accent mis sur les dents, sur l'importance de les dents, c'est formidable. Et ô combien nous minimisons l'espace de les dents qui, effectivement, à force d'épuisement, risque de partir avant l'aider. Donc, merci beaucoup, Madame Felio. Merci à vous. Madame Montenac, vous êtes là. Ben, vous pouvez nous dire quelques mots, quand même. Mais oui, je suis là parce que, vraiment, je mets mon concours pour aider cette association. Depuis 12 ans, je fais partie maintenant. Mais moi, je veux mettre surtout l'accent sur le groupe de parole. Nous avons deux groupes de parole à Gondo, justement, à l'allée des terrasses, à Basse-Gondo. Le premier et le deuxième samedi de chaque mois. Le troisième samedi, c'est au François, avec une psychologue et une bénévole. Il y a aussi un groupe de parole au Lorrain. Et puis, peut-être à Saint-Pierre, puisque pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais rejoignez les groupes de parole. Nous avons un leitmotiv qui est « Vous n'êtes pas seuls, tous concernés, tous mobilisés ». Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Rejoignez France Alzheimer Martinique.
Et oui, bien sûr, appel aux bénévoles, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas, continuer dans nos activités sans les bénévoles. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous, rejoignez France Alzheimer Martinique. Nous allons basculer tout de suite sur la mutualisée française. Donc, le slogan, nous épisodes pour santé hôtes. Oui, merci. Alors, je suis Georges Fèdre, je suis le vice-président de la mutualité française Martinique. Je suis déjà le président qui est à l'Assemblée générale de la Fédération de la Mutualité française, de la Fédération nationale de la Mutualité française. Et c'est pour la raison pour laquelle je suis avec mon ami, mon frère trésorier, Tony Francil, et nous allons nous entretenir quelques moments avec vous concernant la présentation de la Mutualité française. Alors, la Mutualité française, c'est la représentation, régionale de la Fédération nationale de la Mutualité française. Elle fédère 95% des mutuelles nationales. Enfin, je dis bien la fédération qui fédère 95% toutes les mutuelles de France. La mutualité française Martinique rassemble plus de 72 mutuelles locales, ce qui génère à peu près 170 000 personnes assurées, personnes protégées. Et elle intervient dans le domaine de la complémentaire santé, de la prévoyance, de l'accès aux soins, de l'activité sanitaire sociale ou médico-sociale. Je vais passer le micro à mon frère trésorier. Alors donc, nous on coordonne les actions des différentes mutuelles et on les représente localement. Donc, de plus en plus, nous intervenons sur ces villages santé et ces villages donc mieux vivre, parce que bon, c'est un de nos slogans. Donc, c'est permettre à nos adhérents donc de mieux vivre. Et dans une société comme la nôtre, effectivement, où on a de plus en plus donc de personnes vieillissantes, donc permettre à nos seniors effectivement donc de bien vivre. Alors, nous sommes de plus en plus présents sur ces villages pour apporter notre soutien aux associations. Qui œuvrent notamment donc Alzheimer Association. Donc nous aussi, nous proposons par le biais des CCAS, nous proposons donc à nos adhérents seniors donc des journées de répit, donc de sélectionner un certain nombre de personnes, et nous leur proposons aussi pour aider, parce que bon, ce n'est jamais suffisant. Donc on leur propose également des journées de répit, des ateliers de cuisine, d'alimentation, donc de jardin, de jardinage, etc. Donc tout ce qui peut aider effectivement à sortir un petit peu d'un quotidien qui n'est pas facile. Donc voilà. Donc on est là comme support, donc et on essaye, puisque des fois on a un petit peu plus de logistique, plus de moyens effectivement que ces associations. On essaye de faire connaître effectivement toutes ces actions là. Voilà un petit peu pourquoi on est là. Ben merci beaucoup. Donc mutualisation tout simplement de toutes les possibilités, de tout le panel des mutualités que nous avons ici en Martinique. Donc nous vous remercions pour ce travail, et puis bien entendu nous ne manquons pas de revenir vers vous plus tard. Merci beaucoup. Alors, l'art du toucher et de la thérapie du toucher émotionnelle. Alors là, je vois un ustensile. Qu'est-ce donc? Oui, bonsoir à tous. Alors, je représente l'association qui s'appelle L'Art du toucher et de la thérapie émotionnelle. Et donc, on travaille sur tout ce qui est émotionnel, que ce soit pour la libération. Et on est une équipe, une sophrologue, une kinésiologue et moi-même qui suis psychothérapeute. Et nous faisons des massages de bien-être. Voilà. Est-ce qu'on pourrait mettre le son un peu moins fort? Parce que quand on est en train de prendre un contrat, on continue. Voilà. Et donc, on propose également des ateliers pour les enfants, mais également pour les adolescents et aussi pour les seniors. Nous organisons des journées bien-être, des journées de ressourcement. Et bientôt, nous allons proposer également nos services aux écoles pour les enfants. Voilà. Et donc là, je vais faire un massage en fait à un groupe... À moi. Non, pas toi.
Voilà, un groupe qui nous a servi de témoins, de cobayes, de témoins. On a travaillé sur tout ce qui est émotionnel avec eux. Et donc là, je vais leur faire juste un petit massage sur le dos pour permettre de libérer un petit peu les émotions qu'elles ont, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Bon, donc je reviendrai tout à l'heure pour le mien, pour mon massage. Kevin, tu ne vas pas filmer mon massage, par contre. Alors, je rappelle à tous les partenaires que là, nous sommes juste sur le tour d'horizon du village. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas 100 ans. Mais c'est quand même normal qu'on puisse entendre l'intervention de tout un chacun. Donc, je sais que pour le moment, ça peut être dérangeant sur les interventions que vous faites actuellement. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas longtemps. Et tout le monde doit être entendu. Merci beaucoup pour votre compréhension. Mandou van l'ADEP. Sauf fait. Eh bien, ça a marché. Tout va être clair. M'en va y aller après. Donc, l'ADEP, c'est 35 ans au service des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais. En fait, l'ADEP rayonne sur tous les départements français. Et donc, 35 ans en Martinique, cette agence, tout le monde y trouve son compte. Comme on a tendance à dire, nous sommes à vos côtés pour vous proposer des prestations, la possibilité de pouvoir prendre en charge les dépenses de santé qui sont très, très, très lourdes et très importantes. Donc, la mutuelle santé, la mutuelle obsèque, puisque nous savons comment ça marche. Hein, l'obsèque, nous avons un rapport à l'obsèque à la mort en Martinique, nous les Antillais. Nous pas les laisser problème bas grand monde, bah c'est monde noir. Donc on va pas rajouter de la douleur à la souffrance. Donc nous sommes là pour venir en aide pour tout ce qui concerne l'obsèque, la santé, l'auto, l'habitation. On fait également une mutuelle pour les chiens et chats. Donc nous avons diversifié et aujourd'hui, c'est vrai qu'on rencontre un franc succès. On a énormément de Martiniquais qui sont couverts, comme m'a dit le monsieur de la mutualité. C'est nécessaire. On n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut avoir une mutuelle. Il faut avoir une mutuelle, une couverture santé pour pouvoir faire face aux dépenses qui sont extrêmement lourdes. Quand vous allez à l'hôpital, vous pouvez vous retrouver avec des factures de 2000, 3000 euros. Donc la mutuelle est là pour justement prendre en charge, compenser. Donc c'est important. Surtout l'obsèque, il faut que tout le monde se pose la question. Si j'étais parti il y a 2 mois, comment ça se serait passé pour ma famille? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Comment ils auraient fait? Est-ce qu'ils auraient fait face? Parce que financièrement, on voit l'obsèque, on voit la mort, mais on ne voit pas toutes les dettes qui sont autour, qui gravitent et puis qu'on laisse pour les autres. Puis on se dit, mince alors, si je savais, j'aurais dû faire. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore couverts. Donc c'est pour ça, en fait, que nous, on est là pour compenser. On est au service des gens. On joue notre rôle dans le champ social. Très bien. Ben, tu sais que moi aussi, je joue mon rôle. Tu étais là l'année dernière, donc tu me connais déjà un peu. J'aime bien... Je suis là pour le bien-être de mes administrés, donc... Absolument. Tu me connais déjà, donc tu sais déjà où je veux en venir. Alors, pour ceux qui viendraient ce soir, pour ceux qui viendraient ce soir et qui diraient « Effectivement, je n'ai pas une bonne couverture ou je ne suis pas du tout couvert », l'ADEP ce soir, clairement, quel geste es-tu prêt à faire pour mes administrés qui viendraient ce soir-là? Alors, pour les personnes qui viendraient souscrire à la mutuelle ce soir, 200 euros de remise. Non, dis ça plus fort quand même, dis ça plus fort. Nous offrons 200 euros de remise pour les gens qui viennent souscrire à la mutuelle ce soir. La mutuelle santé. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ça, c'est le geste de l'ADEP. 200 euros tout de suite, immédiatement. Si vous venez ce soir souscrire à une mutuelle ADEP, vous avez tout de suite 200 euros de remise. Merci beaucoup. Je me dirige tout de suite vers l'UFR et ceux qui me connaissent, ils savent que je vais faire grimper les enchères. C'est toujours mieux de passer premier. Bonsoir, mesdames. Ah, ça discute dur, là. C'est... Oula. Bon, Kevin, ça nous va faire. Nous, la vie est passée ou bien... Hein, on le laisse terminer. On reviendra faire monter les enchères tout à l'heure. Hein? Je pense que quand elle a entendu les enchères, elle a attrapé la dame. Elle a dit, reste là, reste là. OK, nous allons donc auprès de nos associations. Alors... Là, nous avons Jardin Villapart Nettoyage BCBG.
Bonsoir, comment allez-vous? Alors, tu laisses la place, c'est ça? Il est galant. Hein? Lui? C'est lui qui parle. Toi, tu ne veux pas parler? Je suis visiteur. Tu es visiteur? Ah, d'accord. Visiteuse. Ah, merci. On préfère ça. Ben, merci pour le créneau de prise de parole. Je vais expliquer en deux phrases. Si vous avez besoin d'être accompagné sur tous les services à la personne, en particulier le nettoyage de votre maison, votre jardin, je vous emmène aussi sur le nécessaire nettoyage de vos papiers sur Internet. Je suis avec deux associations qui nous nous occupons de cybermenaces et aussi de services à la personne. Voilà. Je t'avais reconnu même sans ton tablier. Merci beaucoup. Donc, alors, vous avez bien compris, hein, ils sont là. Donc, non seulement ils vont s'occuper de votre maison, de tout ce qu'il y a au niveau jardinage, etc., mais aussi la cybercriminalité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes énormément atteints, impactés par ce type de crime. Alors, là, je suis devant Maintien Adom. Alors, Maintien Adom, visiblement, recrute assistant de vie. CDI, temps choisi, diplôme ou expérience et ou expérience de le domaine sanitaire ou médico-social. Maintien Adom. Alors, dites-nous en plus. Alors, nous sommes une société de service à la personne. Nous sommes situés à Fort-de-France. On intervient sur toute la Martinique. On intervient sur toute la Martinique. Et dans le cadre de la PCH et Lapin, nous sommes sectorisés. Donc, c'est uniquement secteur CACEM. Voilà. Elle est timide. Je vais rester à côté d'elle. Je vais l'aider. Ne pleure pas, ça va aller. On reprend ça calmement, on respire. Tout va bien se passer. Alors, on t'écoute. Alors, tu parles bien fort et t'inquiète pas, je tiens le micro, tu n'as rien à faire. Alors, nous sommes une société de service à la personne. On recrute des auxiliaires de vie et des assistantes ménagères. Alors, on intervient sur toute la Martinique et dans le cadre de la PA et la PCH, nous sommes sectorisés uniquement sur le secteur CACEM. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, au niveau, donc, tu as dit que tu es sectorisé surtout sur le secteur CACEM. Au niveau du Robert, donc nous qui sommes Cap-Nord, comment ça se passe? Eh bien, à ce moment-là, ça se passe dans le cadre de la déclaration. Donc, on peut intervenir, mais c'est uniquement avec les caisses de retraite. Et si les personnes payent aussi pour les prestations à domicile. Très bien, donc il faut passer par la caisse de retraite pour faire appel à vous, c'est cela? Pas forcément. Quand on est Cap-Nord. Quand on est Cap-Nord, à ce moment-là, la personne a besoin d'une aide à domicile, elle nous appelle, mais du moment qu'elle n'a pas de prise en charge de la PCH, ni à part. Très bien, merci beaucoup. Je ne t'embête pas plus longtemps, je sais que tu as fait vraiment l'effort, je te remercie d'ailleurs. Merci, bonne soirée, à tout à l'heure. Arfa, un partenaire qu'on ne présente plus, Robert, avec tout ce que nous faisons ensemble, notamment au niveau de l'emploi. Dernièrement, on a eu un job dating ensemble, ça a été un franc succès. Tout à fait. Oui, bonsoir. Donc, l'Arfa, c'est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap. Donc, c'est vrai que nous sommes dans l'insertion professionnelle, nous intervenons sur pas mal de... pas mal de champs, hein. Nous avons pas mal d'interventions sur, nous avons le SPO, c'est vrai que nous fonctionnons en plateforme de service, donc il y a le SRP pour la formation, le dispositif d'emploi accompagné, comme vous venez de le dire, hein. Il faut que la personne soit employable, donc nous avons un vivier d'employeurs, et il y a aussi ce qui fait la valeur ajoutée du DEAC, c'est que on peut lui proposer un accompagnement médico-social parce que la personne peut avoir un handicap invisible et ça peut effectivement être un frein pour son employabilité. Donc nous avons des collègues, des professionnels qui interviennent à ce niveau. Donc il y a le SAMSA qui intervient au domicile de la personne pour tout ce qui est démarches administratives, sur l'insertion professionnelle, sur le volet médical. Il y a aussi la communauté 360 sur laquelle je suis, qui est un dispositif qui vient en aide aux personnes en situation de handicap qui n'ont pas de solution. Donc on intervient sur trois niveaux. Le niveau 1, où
c'est l'orientation, c'est le conseil et le niveau 2. Donc à ce moment-là, on agence avec les acteurs du territoire pour leur apporter une réponse. Et le niveau 3, c'est vraiment quand il n'y a pas de réponse et on doit innover. Donc c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des personnes qui sont en rupture de parcours parce qu'il n'y a pas d'établissement, parce qu'il n'y a plus de place. Donc il faut trouver une solution pour leur apporter une réponse. Et ça, c'est vraiment le rôle de la communauté 360. Donc c'est vraiment une plateforme téléphonique mise en place par le gouvernement. Donc le numéro d'appel, c'est le 0800 360 360, 0800 360 360. Et donc c'est accessible d'un fixe, du portable, et c'est aussi accessible pour les personnes malentendantes. Donc c'est la communauté 360 en général est sur tous les départements de France et de Navarre. Dans chaque département, il y a une communauté qui est mise en place par le gouvernement. Donc il ne faudrait pas hésiter si vous avez une personne en situation de handicap qui est isolée, qui a besoin de réponse, qui est en rupture de parcours. Donc nous sommes là pour intervenir et à ce moment-là, nous essayons d'apporter une solution, mais nous n'intervenons pas seuls. Nous intervenons en communauté. Donc c'est d'où le nom de la communauté, c'est faire communion avec les autres acteurs pour apporter une réponse, parce que seul, on ne va pas loin. Il faut qu'on soit plusieurs pour effectivement apporter une réponse qui serait le plus favorable et adapté à la personne. Donc n'hésitez pas à venir visiter notre stand et à nous appeler. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je rappelle bien sûr, quand nous avons une reconnaissance de handicap, c'est pas marqué sur le front. Comme elle a dit, il y a des handicaps invisibles qui ne se voient pas de prime abord, et vous ne marchez pas avec une pancarte, une étiquette marquée handicap sur le front. Donc n'hésitez pas à vraiment vous rapprocher de façon à avoir cette reconnaissance qui vous permettra d'avoir des outils adaptés et des situations surtout adaptées à votre réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour les personnes, les seniors, mais nous avons aussi un dispositif qui s'appelle CAI Jeunement Maïmatnik, la MDAJA, pour des enfants qui sont en souffrance et qui ont besoin effectivement de parler, soit parce qu'il y a le harcèlement scolaire, soit parce que bon, ça ne va pas avec les parents, au niveau relationnel, c'est difficile. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'enfant, cette plateforme de service essaie de répondre au mieux à toutes les générations sous le territoire. Merci beaucoup, Larfa. Donc, ne pas lâcher. Merci. Excellente soirée à toi. On se voit tout à l'heure. Je continue avec Demanda Lisa. Toujours mon Maïwobé. Mon Maïwobé, bonsoir. Demanda Lisa. Comment allez-vous, mesdames? Ah, c'est une entreprise de famille. Hein? Ça va, merci. Ben oui, Demanda Lisa, c'est une entreprise de service à la personne. Nous sommes totalement digitalisés, donc nous avons une application mobile et un site internet qui s'appelle Demande à Lisa. Donc il suffit de cliquer sur réserver afin d'avoir un intervenant à domicile, tout simplement en un clic. Tu dis tout simplement, mais ce n'est pas tout simplement. Demande à Lisa, que demande-toi Lisa? Que peut-on demander à Lisa? Alors, un intervenant pour vous aider à la maison, aussi bien dans le ménage, le repassage, la garde des enfants, le soutien scolaire, la livraison de courses, le jardin, la préparation des repas, tout ce qu'il faut pour la maison. Et nos prestations sont déductibles des impôts à 50%. Rien que ça. Eh bien, dis donc, demande à Lisa alors. Merci, à tout à l'heure. Bonne soirée. Alors. LMT, bonsoir. Alors, qui prendra la parole ce soir? C'est toi. Merci. Donc, Bailan Mes Services. Donc, dans le cadre du maintien à domicile, nous proposons essentiellement le ménage, le repassage, la préparation du repas, les gardes de nuit, avec la possibilité d'avoir le crédit d'impôt à 50%. Donc, nous faisons aussi la téléassistance avec le détecteur de chute. Donc, voilà. Je vois des outils juste devant moi là. Alors, ça, c'est une montre connectée, c'est ça? D'accord, mais c'est pas la même montre connectée quand je fais mon sport, je suppose. Non, pas du tout. Non, alors, au moment de la chute,
il y a automatiquement un appel pour, sur la centrale. Il y a une vérification de chez le bénéficiaire. À ce moment, s'il ne répond pas, la famille est contactée. Si la famille ne peut pas se déplacer, les pompiers sont alertés. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bailant main service. Alors, juste à côté, nous avons SAAD. Bonsoir. Elle me regarde comme si j'en pas venir parler bas moi. Ah, c'est ton collègue qui veut prendre la parole. Ah, je vois, c'est il est debout, il est opérationnel. Alors, dis-nous en plus, s'il te plaît. Alors, du coup, c'est l'association Alliance Service d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors, nous, de notre côté, on essaye de faire avec les personnes âgées des projets personnalisés où on essaye de déceler le moins de besoins chez la personne, même s'il ne le sait pas. Et à partir de justement de ce projet, pouvoir desservir et aider la personne chez lui. Très bien, effectivement, tu as dit quelque chose de très important. Déceler le besoin. Un besoin, c'est pas une attente. Souvent, on a, la personne a des attentes, mais n'est pas consciente de ses besoins. Alors justement, concernant les personnes âgées, quels sont les besoins les plus récurrents? Alors, chez nous, c'est assez particulier. On va souvent entendre en Martinique, j'ai besoin qu'on me fasse le ménage. J'ai besoin qu'on me fasse la vaisselle, parce que j'ai besoin de que ça, tu vois. Alors que réellement, on a souvent des gens qui sont isolés, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'un soutien, qui ont juste besoin d'avoir quelqu'un avec eux. Donc c'est justement ça qu'on essaye de déceler chez eux et d'essayer de les accompagner sur ce secteur-là. Très bien. Tout simplement le besoin de ne pas se sentir isolé, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors nous continuons. Ah, il y a du beau monde, hein, il y a du beau monde. Alors on fait par là. Je me suis trompé de côté. Alors nous sommes senior famille handicap. Alors il y a beaucoup de monde là. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ah, vous êtes sur ce stand? Ah, très bien. Vous êtes sur ce stand. Donc vous allez nous expliquer un peu ce que vous faites. Alors, nous sommes la structure avec la DARPA. Tout le monde connaît la DARPA. C'est un mot que tout le monde connaît. Et nous sommes le service prestataire avec ADARPA, un service de prestation de l'aide à domicile. Nous avons des auxiliaires de vie, des agents à domicile et des aides à domicile. L'importance de notre capacité, c'est que nous travaillons sur toute la Martinique, de Grand-Rivière à Vauclin, Sainte-Marie, toute la Martinique. Nous avons trois secteurs, le secteur nord-atlantique, le secteur sud et le secteur centre. Nous avons trois responsables de secteur aussi. Par secteur, plus d'une quarantaine de salariés. Nous sommes une équipe très compétente, très professionnelle. Et l'important, c'est vraiment d'être en relation avec le bénéficiaire. Très bien. Donc, le bénéficiaire au cœur de son projet, n'est-ce pas? Oui, vraiment au cœur. Surtout par rapport à cette semaine. Nous sommes comme dans une semaine, la semaine bleue, très importante. Nous avons aussi beaucoup de bénéficiaires centenaires qui sont chez nous, qui ont 102 ans, 106 ans de bénéficiaires sur la commune du Gros-Mont. Et l'important, c'est d'avoir une très bonne relation entre l'auxiliaire de vie, l'aide à domicile, les intervenantes qui viennent. C'est ça la bonne relation, c'est ça le beau métier d'être auxiliaire de vie. Merci beaucoup, c'est tellement bien dit. Comment ne pas y adhérer? Alors, qui avons-nous ici donc? Les ailes des anges, les ailes des anges. Quel est l'ange élu? Ah, ben bien sûr, rapproche-toi, viens, ne fais pas la timide, rapproche-toi. Dépose tes ailes un instant et redescends auprès de nous. Bonsoir. Alors, c'est les ailes des anges, mais je ne m'entends pas, moi. N'aie pas peur. C'est pas que j'ai pas... Bon, c'est les ailes des anges qui existent depuis 2013. Nous sommes basés au Lamantin. Ici, enfin,
Là, il y a les auxiliaires de vie et il y a aussi l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est-à-dire c'est plusieurs personnes âgées en colocation dans une maison. Actuellement, je crois qu'il y en a cinq maisons de colocation. Mais c'est, et puis, il y a la bulle d'air nocturne, il y a les gardes de nuit aussi, et voilà. Très bien. Alors, vu qu'il y en a si peu, moi, demain, j'ai ma grand-mère qui vit seule chez elle. Elle a sa grande maison. Nous sommes tous partis, enfants et petits-enfants. Et elle est seule. Comment peut-elle procéder pour pouvoir réaliser ce projet de maison partagée? Non, mais si elle est seule, bon... Ben, c'est possible. De toute façon, il faut déjà voir avec la famille, il faut déjà voir avec les responsables. Et c'est vrai que... Et puis, il faut que la famille soit d'accord aussi, parce qu'à partir du moment qu'il y a argent, c'est clair que finance, ça pose problème. Alors, ouais, il faut. Mais c'est vrai que c'est un concept qui est très intéressant, mais après, il y a beaucoup de demandes, mais c'est le reste à charge, je pense, qui est, c'est un peu difficile par rapport aux petites retraites que les personnes âgées, et puis le plus souvent, la famille aussi ne peut pas aider derrière. Alors, comme on dit là maintenant, on est plus sur la vie chère, hein? Alors, voilà. Non, mais c'est possible. Il faut étudier chacun. D'accord. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut qu'on mène une réflexion globale sur ces possibilités qui permettent effectivement de régler non seulement ce souci d'isolement et aussi mutualiser les besoins et mutualiser les intérêts financiers. Merci beaucoup. On continue notre tour. Bonsoir, madame. Vous vouliez me voir? Ah, je sais pas. On continue. Bon, je suis là devant l'association... LCR de Pelletier. LCR de Pelletier. De beaux sourires, c'est magnifique. Alors, dites-moi tout. Ziedou, ah, c'est vous Ziedou aussi? Vous êtes là dans toutes? Ah, ben, je ne sais pas. Mais je vois marquer Ziedou, je ne sais pas moi. Association Eolia, qui se situe au LCR de Pelletier, n'est-ce pas? Bonsoir. Alors, c'est l'association Eolia qui se trouve à LCR de Pelletier au Lamantin. Alors, nous faisons un panel d'activités pour un public intergénérationnel. Donc, nous avons des ateliers d'échecs, ateliers décoration florale. Nous faisons de la zumba et du renforcement musculaire, de l'aide aux devoirs. Nous avons aussi un atelier jardinage. Nous avons des randonnées découvertes chaque année et un atelier de couture. Donc, voilà en gros ce qu'on fait dans notre association Eolia. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, je continue. Je ne veux oublier personne. Donc, juste après cette première partie... Vous aurez la possibilité d'admirer nos sportives juste devant la scène. Amaf, alors, dis-nous tout. Oui, bonsoir. D'accord, merci. Oui, nous sommes une association des aidants familiaux qui permet aux aidants à prendre des temps de répit. Oui, effectivement, très important. Nous avons bien vu que les aidants, ils se fatiguent, etc. Donc, les temps de répit, comment ça se passe? Il y a parfois, on propose les aider de faire des ateliers et il y a des formations, des conférences pour mieux comprendre les maladies, c'est des aider. Bon, il y a des ateliers, c'est de bien-être, massage et tout, voilà. Et puis des découvertes culturelles, ça veut dire prendre une journée, partir à la plage pour que les aider puissent décompresser. Ah, ouais. Voilà. Super, donc. Effectivement, permettre aux aidés de décompresser, de faire autre chose, ça libère les aidants, n'est-ce pas? Yes, merci Anchaï. Alors, qui ai-je là devant moi? Nous Gérone, qu'est-ce donc ce livre? Qui peut me parler de ce livre? Nous Gérone. Bonsoir. Nous Gérone, ça appartient à l'association Nous Gérons. C'est pour travailler les méninges.
Et donc, on va être dans la prévention de la maladie d'Alzheimer ou la prévention des troubles cognitifs. Que dire ? Il y a un niveau qui est facile. Là, on est un petit peu plus difficile. Il y a des mots croisés sur le pays. Et puis, il y a même un agenda qui vient de sortir, 2025. C'est un agenda culturel avec des sorties, entre autres Morne-Vert, des randonnées et même des recettes. Il y a des QR codes enfin, il y a... et des jeux. À chaque fin de mois, il y a des jeux. Voilà, vous savez tout. Monique, tu veux parler ? À toi. Alors, c'est un livre, en fait, que je conseille à tout le monde, pas uniquement aux personnes âgées. Il est fait, en fin de compte, pour stimuler la mémoire et vous apprendre de nouvelles choses. Et vous allez voir que tout le monde a un potentiel, puisque tout le monde oublie maintenant. La vie, elle est tellement, on est tellement pressé dans cette vie. Prenez le temps avec Neugéron, vous allez voir que ça va vous stimuler. Merci beaucoup. C'est vrai que pour ceux qui étaient présents avec nous la semaine dernière, nous avons pu constater qu'il y a possibilité de régénérer les connexions neurologiques. Alors, là, je suis devant la CEP et bonsoir, monsieur Bongo, vous allez bien? Je vous l'avoue quelques instants, rapidement. Alors, dites-nous en plus, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Donc, nous représentons une agence de services à domicile, ACEP, qui est implantée en Martinique depuis une vingtaine d'années. Donc, on a une expertise qui est reconnue sur le territoire avec les institutionnels, comme la collectivité territoriale de Martinique, la MDPH. En fait, notre bataille quotidienne est de nous occuper des personnes âgées, personnes fragiles, en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est vrai que, comme j'explique effectivement à tous les aidants et les bénéficiaires, notre cheval de bataille, effectivement, c'est aujourd'hui de prendre la totalité de la prise en charge, si vous voulez, dans sa globalité, c'est-à-dire de la prise en charge du bénéficiaire quotidiennement chez lui. D'accord, c'est-à-dire en faisant le ménage, l'aide à la toilette, par exemple, les courses, faire même une présence, si vous voulez, auprès de la personne fragile. Ce qui est important, effectivement, c'est de penser à l'avenir de ces personnes. C'est important parce que les débats publics aujourd'hui tournent autour de cette prise en charge qui doit être de plus en plus professionnalisée. Alors, quand je dis professionnalisé, c'est vrai que c'est dans la recherche également d'intervenants, d'accord, qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. C'est un métier qui n'attire pas forcément les jeunes. Donc, il faut vraiment anoblir la profession des auxiliaires de vie. Et comme je vous dis, le recrutement est vraiment un point crucial dans notre structure. Mais nous essayons effectivement de redéfinir le métier et de créer, franchement, les assistantes de vie de demain. Voilà. Très bien. Merci. Très bien, merci beaucoup. ACEP. Alors, plus que deux visites. Ah non, plus qu'une seule. Bon, t'es y est doux. Allez, on se connaît déjà. Vas-y, balance. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes l'équipe de Ziedou. Nous sommes une société qui proposons de la téléassistance avec la particularité d'offrir un accompagnement global et personnalisé. Donc nous avons à notre disposition une équipe d'opérateurs de téléassistance présents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une équipe d'assistantes sociales, de conseillers en accompagnement social. Et le but, c'est d'évaluer les besoins de nos bénéficiaires et de faire en sorte qu'ils puissent jouir de leur ouverture de doigts de manière complète et globale. Il faut le tourner, c'est bon? Tu m'entends? C'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Je crois que ta collègue, elle voulait parler. Oui. Non, je n'avais rien de plus à rajouter. Madame Labois a déjà tout dit. Donc, Ziedou n'a Dieu que pour vous. Merci, Anchaï. Alors, nous coupons notre tour du village ici. Donc, je tiens à remercier vraiment tous les partenaires. Merci au CCAS de la ville du Robert, merci à la cellule Cohésion Sociale. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir bénéficier d'un show fitness.
Aïe, aïe, aïe. Avec nos amis de l'UFOLEP. Alors, juste devant le podium, vous avez un spectacle de bulles. Est-ce que je peux rentrer dedans? Je n'ai pas réussi. OK. Alors, si vous voulez vous rafraîchir, rapprochez-vous rapidement ici. Alors, vous avez des gâteaux, vous avez des cocktails présentés par Prestation Cocktail. You know, alors, ils sont bons tes cocktails. Bien sûr. Alors, c'est à vous sur le podium. Show Fitness présenté par l'UFOLEP et nos adhérentes du Robert.